Bonjour, bonsoir, toutes amis, toutes fanatiques, faites la caille, nous comptons ensemble avec vous. Jeudi à ce samedi qui 11 janvier 2020. Nous comptons pour nous capables informer ou nous pour présenter aujourd'hui et magazine Infovision qui c'est unique et journal qui passait en Haïti le week-end. Et nous pour avoir une chance pour capable connaître tout ça qui a passé dans le pays. Surtout demain, cap 12 ans en janvier, lui-même lui pour marquer 10e et anniversaire du mois commémoration et gros tremblement de terre qui t'est passé en Haïti, ça fait 10 ans. Qui ça qui fête après 10 ans que terrible et tremblement de terre ça t'est passé en Haïti, côté que en pile monde mourit et en pile édifice et en pile monde rété avec yo mosso pied, yo mosso main, en pile monde qui endommagé. Qui ça qui fait, qui ça autorité au fait en Haïti, et mais on pourra avoir une chance pour capable suivre un bilan de ça qui fait, ça qui pas fait, ça que tu as supposé faire, dans quelle situation en pile mon a vivre après 10 ans, surtout que nous connaissons Canaran, un site qui était fait après et au lendemain de tremblement de terre. Ça, comment mon ça yo a vivre? Eh bien, à travers le journal ça et spécial ça, on pourra connaître qui ça qui a fait et non. Et dans grand jour ça, qui c'est demain, si Dieu veut, qui va le commémorer 10e et année que le tremblement de terre s'est passé. Nous invitons pour capable suivre ensemble avec nous, magazine Infovision, côté qu'on parle de chance pour qu'on connaisse tout ça qui a passé et dans le pays Vous d'Haïti. êtes sur Vision 2000 à l'heure du magazine Infovision. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Voici tout de suite les principaux titres de cette dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine. Haïti s'apprête à commémorer ce dimanche le 10e anniversaire du tremblement de terre de 2010 qui avait mis le pays à genoux. Au cours de cette journée dédiée aux victimes de cette catastrophe, le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés seront fermés, alors que les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance, selon une note du secrétariat général de la présidence. En cas de nouveau tremblement de terre majeur, les dégâts risquent d'être beaucoup plus lourds que ceux de 2010, prévient l'Association nationale des géologues haïtiens, déplorant que rien n'a été fait pour stopper la prolifération des constructions anarchiques dans le pays. Un coup de projecteur dans cette édition sur Canaan, cette zone déclarée d'utilité publique qui a accueilli des milliers de familles au lendemain du cataclysme. Les déplacés sont dépourvus de pratiquement tout. Cette situation fait craindre une transformation de la zone à l'instar d'autres quartiers populeux de la capitale en un véritable enfer pour ceux qui fréquentent la nationale numéro 1. D'ailleurs, des gangs armés s'y implantent déjà et font régner leur loi. Justement, le géographe Vosch Datus et le sociologue Ilionor Louis tire la sonnette d'alarme face au danger que pourrait effectivement représenter prochainement Canaran si rien n'est fait par les autorités pour prendre cette zone en main. Le bureau du Sénat est monté au créneau pour dénoncer ceux qui mettent en question la durée du mandat des sénateurs, affirmant que celle-ci ne peut souffrir, je cite, des caprices et velléités de quiconque, ce en raison du fait qu'elle est fixée par la Constitution et le décret électoral de 2015. Fin de citation. À partir du lundi 13 janvier, le Sénat comptera 13 membres. Il est fort souhaitable que tous, pour le bien de la nation et de la démocratie, fassent en toute liberté leurs devoirs sollicités du peuple, indique une note du bureau du Grand Corps. A noter que cette note est paraffée non pas par le président Karl Muigakantava, mais plutôt par le vice-président Jean-Marie Junior Salomon, le premier secrétaire du PJ Robin et le deuxième secrétaire Rouleau Joseph. Des bandits armés ont enlevé jeudi soir à Léogane Madame Frédérique Guiteau dans sa pharmacie située en face de l'hôpital Sainte-Croix. Trois agents de l'UDMO ont été blessés par balle jeudi à Port-de-Paix au cours d'échanges de tirs avec le présumé bandit Eric Prosper qu'il tentait d'appréhender. Ce dernier aurait à son actif des cas de kidnapping et de meurtre selon le porte-parole de la PNH dans la région, Léonel Joseph. Il n'y a pas de rareté de carburant sur le marché local, assure l'Association des professionnels du pétrole qui informe qu'un bateau pétrolier est arrivé hier à Port-au-Prince. Un autre est attendu demain alors que deux autres cargaisons devraient est arrivé dans le pays entre le 16 et le 26 janvier prochain. À l'étranger, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a donné hier son feu vert à l'envoi la semaine prochaine de l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat, essentiel pour l'ouverture de son procès historique en destitution attendu d'ici la fin du mois. La chancelière allemande Angela Merkel est attendue ce samedi à
Moscou pour des pourparlers avec Vladimir Poutine, centré sur les tensions irano-américaines et la guerre en Libye, crise où Moscou jouit d'une influence conséquente. Pendant ce temps, les États-Unis ont dévoilé hier de nouvelles sanctions contre l'Iran et défendu l'élimination du général Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, affirmant qu'il envisageait de frapper 4 ambassades américaines. Ben Jean-Pierre est à la mise en onde à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Haïti s'apprête à commémorer ce dimanche le 10e anniversaire du tremblement de terre de 2010 qui avait mis le pays à genoux. Au cours de cette journée dédiée aux victimes de cette catastrophe, le drapeau national sera mis en berne. Les discothèques et autres établissements assimilés seront fermés, alors que les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance, selon une note du secrétariat général de la présidence. 10 ans après le séisme Dolores, Dominique Neptune, qui a perdu son jeune fils Jean-Olivier dans cette tragédie, peine encore à raconter ce douloureux moment et surtout les péripéties pour sortir les survivants et extraire son fils de faim des décombres de sa maison qui avait été effondrée. Il faut qu'il y ait un mémorial pour rendre hommage aux victimes, recommande Dolores Neptune, indiquant que nous sommes tous coupables de l'ampleur des dégâts humains et matériels pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, étant donné que nous savions que le pays avait été frappé par des séismes avant celui de 2010. Pour Dolores Neptune, le deuil doit se faire de manière constructive, soulignant que son mari a créé en collaboration avec son frère une école portant le nom de leur fils et baptisée Collège Les Oliviers. Selon Dolores Dominique Neptune, si le pays était frappé aujourd'hui par un nouveau tremblement de terre, il y aurait autant de morts, rien qu'à regarder les nouvelles constructions, déplorant le refus, du moins l'incapacité des dirigeants à prendre des mesures drastiques pour protéger la population. Écoutez les propos de Dolores Dominique Neptune au micro de Marie-Lucie Bonhomme-Opon. Nous jouons une caille là, crasi. Le ça, nous sommes marinés, nous sommes junior, monsieur qui est avec nous depuis des années. Il a cherché qui j'en pour rentrer dans la caille là. Pour que Georges, Mireille et Philippe qui sorti. Nous réussissons à sortir. Jean-Olivier, nous réussissons maintenant nos pompes funèbres. Marie m'a avec petite main, nous fait deuil ou l'autre jeune humain. Nous construisons l'école ensemble, dans mémoire petite, avec frère. Nous relais le collège Les Oliviers. Deuil fait de manière constructive. Il n'y a pas qu'à faire de manière destructive pour vous-même, avec pour pays. Ça, elle, fait 28 janvier, petite fille est enceinte, 9 mois, le 12 janvier fête. Si première petite n'est pas de fête, je pensais que je ne vais pas marier encore. Ça, elle, c'est notre bébé miracle. C'est lui qui sauve nous tous les deux. Son joie immense. Jodien, nous avons 4 petites. Nous décidons d'en vivre. Quel âge Olivier Teguin? Jean-Olivier Teguin, 24 ans. 24 ans, pas d'enfant. Non. Il est mort sans avenir. Mais voulez que tout non disparu inscrit au côté pour nous capables d'aller où qu'on est, que c'est là que non moins y est ou capable d'un côté pour la prière souligner. Il faut qu'il y ait un mémorial. La terre savait trembler avant. Nous t'es comme ça. N'oubliez ça parce que nous pas de vle songer. En tant que nation, nous occulter ça. Nous coupables de tout mot qui fête 12 janvier. Je suis persuadé que si jeudi a été un autre tremblement de terre, de même magnitude là, nous avons peut-être qu'un autant de morts, 10 ans après. C'est une opinion qui n'a rien à voir avec la science. Chaque côté passé, m'a gardé construction, m'a gardé ancien caille qui était fissuré et qui était même gens et puis des gens qui habitaient là-dedans. M'a gardé mon juvénat, m'a gardé des côtés qui supposaient non édifiants. Sous empêcher mon construit là, c'est parce que ou son monde qui pas voulait que population ait un côté pour l'habiter. Bon problème. Personne pas voulait prendre les mesures drastiques qui s'imposent pour qu'on capable protéger une population malgré lui. Tout le monde en situation électorale. Au-delà de la politique, depuis 2010, nous avons eu 3 chefs d'État et combien de chefs de gouvernement. Et ça n'a pas été réglé. Ça va dans la profonde capacité que nous gagnons d'occulter et d'oublier.
Dolores Dominique Neptune, elle est l'une des victimes du séisme du 12 janvier 2010. À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier, l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti exprime ses préoccupations face aux conditions de vie précaires des survivants de ce cataclysme. La coordonnatrice de cette structure, Soinette Désir, en a profité pour déplorer le fait que les normes de construction ne soient toujours pas respectées. Elle demande aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités. Nous l'écoutons. Il y a un homme qui a frappé après 10 janvier, exemple, qui perdu un jambe en 2 janvier, qui perdu un bras en 2 janvier, qu'on utilisait prothèse. Je dis à la, 10 ans après, organisation qui te qu'on offre au bail en urgence, il n'y a pas là encore. 10 ans après, il y a un monde qui est handicapé, le 12 janvier, s'il besoin de faire une prothèse, c'est Saint-Domingue pour le traverser. S'il besoin d'une prothèse qui qualité, ou bien tout, même s'il t'a fait ici, il est très cher et qu'il n'y a pas de moyens pour payer une prothèse. Un monde qui est amputé de une jambe après réaliser pour une prothèse, il a besoin de $1,000 américains pour pipiti. Il y a un monde qui est handicapé le 12 janvier, qui sous chaise la roulette, pas qu'à gagner une chaise pour assurer déplacement. Parce que minimum, une chaise à roulette ou besoin 25 000 gouttes. 10 ans après, un monde handicapé qui besoin d'un béquille, c'est une péripétie. Si gagne, il n'y a pas qu'à acheter. Parce que économiquement, pour voir économique mon handicapé, il est très faible. 10 ans après, reconstruction continue à faire même gens. Jean moun yon construit toujours ou bien yon fait le plus mal. Dans le moment où on a parlé là, si tu as eu une autre catastrophe encore, qui t'a repassé même le 12 janvier, nous avons fait même 5 fois plus de dégâts que le 12 janvier était fait en 2010. 10 ans après, l'État haïtien toujours pas en mesure pour dire quantité de monde qui est handicapé après le 12 janvier. C'est ça que fait nous-mêmes, nous avons rappelé l'État haïtien, ou avec responsabilité, il faut que normalement nous gagnions chiffres, gagnions données sur quantité de monde qui est handicapé pour que nous capables justement mieux préparer. Et 10 ans après, gros building qu'a construit, il n'y a toujours pas accessible. 10 ans après, 12 janvier, il y a toujours apporté pour flair, aller commémorer, mais les gens handicapés toujours pas gain accès à service. Soinette Désir, coordinatrice de l'Union des femmes en mobilité réduite d'Haïti. L'Association nationale des géologues haïtiens déplore le fait que 10 ans après le passage du tremblement de terre en Haïti, les autorités n'ont pris aucune mesure pour stopper la prolifération des constructions anarchiques dans le pays. En conférence de presse hier, les responsables de cette structure ont laissé entendre qu'en cas d'un nouveau séisme, les dégâts risquent d'être plus lourds que ceux enregistrés en 2010. Marie-André Bélange. Couplé au manque d'éducation de la population et au laisser-aller des autorités, les constructions anarchiques ont coûté la vie à un nombre important de compatriotes le 12 janvier 2010. 10 ans plus tard, certaines institutions, dont des écoles détruites lors du passage du tremblement de terre, ont été reconstruites, parfois sous les yeux d'une autorité municipale, en dehors des normes parasismiques, s'insurge Adler Barnave Briochet, responsable de formation au sein de l'Association nationale des géologues haïtiens. Nous saisissons, oui, à part quelques citoyens qui mettent aussi sécurité dans la construction. Il y a une série de constructions, tant qu'on sait de l'église qui prend 500 personnes, et puis il y a une seule porte de sortie. Côté que si on seulement, il y a un court-circuit, tout pour la courir sortir, mais en pile à mourir, il y en a passé sous l'autre. Face au pullulement des constructions anarchiques, Langa appelle les autorités à se ressaisir. Michael Saint-Bertil est le vice-président de cette structure. Il y a des bâtiments qui ont 2-3 niveaux. Il n'y a pas d'espace d'évacuation. Mais l'État haïtien qui se garant la vie en Haïti, il faut qu'il en change pour qu'on ait type de bâtiment ça. Est-ce qu'il y a un construit par sismique? Est-ce qu'il y a un espace d'évacuation? Le phénomène ça arrive, soit l'école ou l'église, pour qu'on connaît comment pour y réagir. L'Association nationale des géologues haïtiens plaide en faveur de la formation de la population sur les risques liés aux désastres naturels et de l'adoption de lois cadres réglementant la question de construction dans le pays. Marie-André Bélange, Vision 2000. Quid de la cité administrative, si certains bâtiments sont achevés, d'autres sont à une phase avancée. C'est le cas par exemple du palais des finances, nous dit Michelot Xavier. En
Environ 5 ans après la pose de première pierre, la cité administrative n'est toujours pas inaugurée. Si les ministères du Commerce, de l'Intérieur et du Tourisme et la Cour de cassation reçoivent déjà leurs employés respectifs, les travaux de reconstruction du Palais des Finances, qui comprendra entre autres le MEF, la DGI et la GD, ne sont pas encore achevés. Nous sommes au cœur de la capitale, plus précisément à la rue de la Réunion. Depuis 2015, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, en collaboration avec l'ONG chinoise Hong Yuan, a fait de cet espace un véritable chantier. Dans combien de temps encore, le bâtiment flambant neuf de la CSCCA sera-t-il prêt pour recevoir ses employés? Dans environ 2 mois, informe l'ingénieur résident Lucien Dujour. Pour ceux qui aident du Palais des Finances, aucune date n'est avancée pour l'heure, mais les travaux sont à une phase très avancée. A noter que l'édifice en question comporte 6 étages. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Michel Xavier. Les travaux de fondation de la reconstruction du Parlement haïtien sont en passe d'être achevés alors que le Palais national, 4 firmes sur 15 ont été retenues dans le cadre du concours d'architecture, informe le directeur général de l'UCLBP, l'ingénieur Clément Bélisière. Pour ce qui est de la cité administrative, il n'a voulu rien dire. Les déclarations de l'ingénieur Clément Bélisière au micro de Michel Xavier. Au Parlement, c'est une construction qui commence depuis quelques mois. La bonne nouvelle est que c'est un majeur camp. Pendant la période de l'octobre, donc avant tout, la fondation finie, il y a monde. Ok, pour parler national, lui-même, on connaît tout le monde en concours d'architecture. Pour construire ce palais national, là, on a fait appel à manifestation d'intérêt, de qui manifeste, il a évalué, il y a 8 qualifiés, il y a 8 qualifiés, il reçoit des documents pour participer dans le premier tour, le bail des PSI, il y a un jury qui devait composer, qui est nommé par arrêté président, qui évalue. Donc il y a 8 qui peuvent participer dans le premier tour, il y a 4 qui retenus comme final. Depuis mardi après-midi, après présentation de la Banque centrale, il y a mobilisé. Bonjour, bonsoir à toutes les amis, toutes les fanatiques. Chaque game final individuellement pour poser question par rapport à la liste au fait point d'homme qui était bien pour moi d'éclaircissement. Et là, il y a travail toujours pour ça va briser à un verre final. Gagnez tout cité administrative là. Gagnez déjà qui remettre, gagnez qui en cours de préparation, à qui niveau nous y avec eux. L'invité à aller au même souci. Comme de toutes les façons, il y a une coordination pour qu'on fait au niveau gouvernement, parce qu'on est une crise politique là. Je ne vais pas engager le gouvernement dans les questions, puisque je ne vais pas même rendre ministre, mais on doit aller sur toute chantier qu'on connaît pour capable de faire le même état d'avancement. Je vais quitter juger ou même de ça. Je vais aller ou après le monde, poser des questions. Et puis je vais quitter faire ça ou même. Je ne vais pas capable d'engager un gouvernement qui n'a pas de responsabilité pour m'engager. Le directeur général de l'UCLBP, l'ingénieur Clément Bélisère. À Canaan, l'absence totale de prise en charge de la population par les autorités fait craindre le risque de sa transformation en un véritable enfer, à l'instar d'autres quartiers populeux de la capitale. Ce vaste site situé à l'entrée nord de Port-au-Prince a été créé au lendemain du séisme du 12 janvier 2010. Vision 2000, c'est penser justement sur la situation de Canaan où des habitants, des leaders communautaires ainsi que des responsables d'associations n'ont pas caché leurs préoccupations, nous dit Jean-Christophe le prophète. Au lendemain du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, l'ancienne administration Préval-Bellerive avait déclaré plusieurs zones d'utilité publique dont Canaan, ce qui a provoqué l'envahissement massif de cet espace, notamment par des rescapés du tremblement de terre. 10 ans après la catastrophe, le quartier de Canaan situé au nord de la capitale est totalement dépourvu de tout. Absence d'infrastructures, d'équipements et de services sociaux de base, les habitants ne survivent que grâce à la charité des âmes de bonne volonté. Les conditions socio-économiques des habitants de la zone demeurent très précaires et les constructions anarchiques se multiplient à un rythme accéléré. Une situation qui risque de transformer la zone en une véritable bidonville, ce qui rendrait impraticable la très fréquentée route nationale numéro 1. D'ailleurs, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés dans la zone, impliquant les groupes armés Maltandais et Chercherons, opérant à Canaan 70, a révélé la mairesse de cabaret Vanide Fefe. Les habitants de Canaan interpellent les autorités concernées. Nous tout près et Cité Soleil. Nous tout près
près une zone qui est les 70, mais qui fait partie Canaranto. Si pas de présence, la police, non zone, une autre zone qui toujours à bataille avec zone Bokotel, ou même qui tout près là. Yo quand envahi, c'est une question de va, nous-mêmes nous pas besoin pour va venir envahir nous. Pendant que yon en guerre avec l'autre, si gen quelques déplacements qui pou fait pendant que yo a couru, ça qui puis faibli à li couru, l'el cherche vienne chita bon la kay nous, nous pensons même action qu'il a posé bon l'autre fan Zamilio, et c'est lui même tout les capable venir produire bon côté nous. Des responsables d'association évoluant à Canaan se montrent très préoccupés également par cette situation. La guerre du Lamé, coordonnateur de Code 15 Canaan, invite les bandits à déposer les armes. Oui, m'daremé au déposer les armes, rejoindre nous, parce que société assez nous pour faire. Communauté et les Canaan, nous pas voulu exclure 50-70 dans Canaan, parce que dans 15 blocs là, il y a là dans tout. Des leaders communautaires à Canaan s'inquiètent aussi de la prolifération des actes de violence dans la zone. Frère Félix Bellune habite Canaan depuis 2011. Zone ça est zone qui affecté vraiment toujours bien guerre, mais ça fait nous mal parce qu'il y a plus fois un peu le monde victime et même nous même là tout parfois nous était très prudent parce que là il y a une bataille environnement ça nous prêt que qu'on est, il y a l'autre qui capable venir courir dans zone pas nous. Oui, parfois nous craintif. Berlis Venet, responsable de l'association des femmes dévouées pour le développement d'Haïti, a dénoncé des actes de viol dont sont victimes les femmes qui fréquentent la route nationale numéro 1. Elle pointe du doigt des présumés bandits de Canaan 3 et 70. Et à Canaan 3, nous sommes capables de dire qu'il y a des violences parce qu'il y a un pile violence, c'est pas le de violence. Mais les NAP 70, ça, il y a un pile violence qui fait sous forme de violence sexuelle. Ma parle de violence sexuelle. Les machins qui ont pris l'acheter, les arrivés dans la zone, ça, ils ont fait qu'à des jacques sous. La guerre du Lamé, Berlis Venet et frère Félix Bellune en ont profité pour faire quelques recommandations aux autorités policières et judiciaires autour de ce problème. Oui, autorité haute a supposé créer des activités et puis avec dialogue, parce qu'il y a plus de barrières à faire. Dialogue avec eux. Ah, mais nous parlons de l'État. Faut que l'État assume les responsabilités. Ça nous a besoin vraiment. C'est vraiment mettre des commissariats en parcours qui a vraiment plus de solutions pour nous. En 2013, deux ans après le tremblement de terre, le premier ministre Laurent Lamothe et l'ancien sénateur Dieu seul Simon Dera, président du Sénat à l'époque, s'était rendu à Canaan pour annoncer aux riverains l'élaboration d'un plan d'urbanisation du site et la mise à leur disposition de certains services sociaux de base, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Jean-Christ Noël Prophète, Vision 2000. Merci Jean-Christ Noël Prophète. Justement, le géographe Vosch Datus et le sociologue Eleonore Louis tirent la sonnette d'alarme face à la situation à Canaan. Ils font remarquer que la situation risque de se détériorer davantage si rien n'est fait par les autorités concernées pour prendre la zone en main. Diego Chol. Au moment de déclarer cette zone d'utilité publique, Canaan était considéré comme un espace à risque qui n'était pas prédisposé à accueillir autant de gens. Mais de nombreuses familles allaient s'y réfugier après le tremblement de terre de 2010. Résultat, ils sont actuellement plusieurs dizaines de milliers à vivoter dans une situation de précarité extrême, laquelle situation est due principalement à l'absence totale des structures adéquates et des services publics de base, selon le sociologue Eleonore Louis. Nous sommes dans une zone de relégation, côté cadre de vie mondiale, caractérisé par la précarité d'accès aux services sociaux de base. Par exemple, en population canarienne, il y a parlé de 200 300 000 personnes dans Canaan. Est-ce qu'on connaît, c'est à peine pas une vingtaine de policiers? S'il est vrai que le contexte n'était pas favorable à des travaux d'aménagement au moment de l'émigration de ces gens vers Canaan, les autorités étatiques auraient dû intervenir par la suite pour offrir un meilleur cadre de vie aux déplacés, estime pour sa part le géographe Vosch Datus. Il critique le fait qu'à date, ces travaux d'urbanisation se font toujours attendre. Transformation de zone nord, de zone à risque, payée en zone constructible, pour tout le monde d'avoir fait priorité, développer business, etc. Il s'est doué nécessité de travail viabilisation, logistiquement et puis services sociaux de base. Et jusqu'à maintenant, on a dit que je n'apprécie des travaux d'urbanisation que l'État promet et mais qui pourront vraiment enclencher notre zone. La situation actuelle à Canaan est alarmante, selon ces deux professeurs d'université. Ils exhortent les autorités concernées à mettre en œuvre des politiques publiques en vue d'améliorer les conditions de vie de ces gens. Parce que c'est une politique publique pour les appliquer dans Canaan, pour garder en matière de santé, ça se fait, et en matière scolaire, ça se fait, en matière d'accompagnement des familles vulnérables. Il faut que l'État investisse dans le social, santé, éducation, sécurité pour la vie et pour bien, accès à logement maintenant. Vosch Datus et Eleonore Louis disent craindre le pire si rien n'est fait au plus vite pour corriger cette situation. Si la réalisation n'est pas faite, ce n'est pas seulement au niveau de Canaan, hein, c'est au niveau de
beaucoup de quartiers, il faut s'attendre à une explosion sociale de type 6-7-8 juillet, qui pacte nécessairement aux réactions politiques. Eh bien, Canard capable de mon bidonville de Port-au-Prince, pour que j'en connais, tout bidonville caractéristique, c'est construction anarchique, insécurité, une zone ça contrôlée par telle personnalité, l'autre zone dans tel autre monde. Les cadres consommés en zone de non-droit. Bon, si on n'a pas parlé de zone de non-droit, nous capables de dire une zone qui est capable difficilement accessible. La population de Canard est actuellement estimée à plusieurs dizaines de milliers de familles. Des gens qui semblent être totalement oubliés par les autorités étatiques. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. En prélude à la commémoration du 10e anniversaire du séisme, les responsables de cause PAM, de concert avec l'ONG Action Aid, ont organisé hier une marche à la chandelle en mémoire des victimes ainsi qu'un atelier de réflexion. Il s'agissait d'un travail de mémoire concernant ce qui s'est passé ce jour-là afin de sensibiliser la population pour qu'elle change de comportement. Question de limiter les dégâts en cas de nouveau séisme majeur. Les responsables de cause PAM en ont profité pour dénoncer le fait que rien n'a été fait par les autorités concernées pour renforcer la capacité de résilience de la population. Jean-Robert Pierre et Dashkar Pierre sont deux responsables de cause PAM. 12 janvier 2010, 12 janvier 2020, ça fait 10 ans. 10 ans, est-ce que nous sommes obligés d'oublier? Non, nous pas oublier. Nous pas oublier par rapport avec des dégâts tremblement de terre ça a fait. Quand c'était monde qui était mort, quand c'était caille qui était détruit, quand c'était monde qui était endommagé. Nous là pour nous rappeler mémoire monde ça yo, yo pas supposé passer pour grand messie. Côté que l'état la caille nous. Journée aujourd'hui pour qu'on prenne capable dit dimension ampleur et tremblement de terre ça parce que journée aujourd'hui les n'a regardé qui ça nous capable dit qui fait rien. Nous pas même capable de reconstruction. Un point exemple, puis faut édifice l'État qui est crasé depuis 10 ans, qui s'est fait après 2-3 grains nous et que, et qu'on signe là qu'a fait là pour reconstruire. Palais national, qui s'est dit Delhi, si édifice l'État, après tout bagaille ça qui passe à vous reconstruire, les populations. Un point exemple, regardez ça qui a passé dans le Canada. Plus passé, nous sommes capables de dire 300 000 monde. Ok, nos communautés sans de l'eau, sans l'école, sans insécurité, toute bagarre net, promiscuité à travers les communautés. Nous ne pouvons pas ça ne fait pour marquer dans ça. Quand vous êtes capable de concert avec les partenaires, nous pas qu'à mettre aspect construction physique directement par rapport avec moyens. Hein? Et ensuite, nous pas l'État, mais nous voulons faire mon mieux songer, je ne veux dire. Faire songer, ça qui est passé. C'est dans ce sens ça, nous sommes fait une marche à la chandelle, silencieuse, avec l'équipe Action Aid et Cause PAM. Et puis nous venons chita dans une réflexion et témoignage avec les amis, camarades qui étaient victimes, ça qui était là, ça qui pas là. Je veux dire, nous avons montré l'importance de ça pour nous. Et si tu as gagné une nouvelle catastrophe que nous parions, qui ça a fait et pendant. Après 10 ans, 14 ans, gagné depuis le passé, qui côté nous y est, est-ce que nous avancé? Et s'il t'a gagné pour repasser, est-ce que des gars ont même gens ou bien est-ce qu'il y a plus et qui ça nous capable de faire pour nous limiter des gars? Dans quel niveau nous y est d'après même nous parler? Non. Non seulement psychologiquement nous pouvons parler et matériellement encore c'est pire nous pouvons parler parce que l'État pour répondre nous pouvons faire, nous pouvons parler vraiment si en 2020 nous apprenons l'autre catastrophe pour nous limiter pour nous gagner moins de dégâts que ça. Les relations haïtiano-américaines ont été au centre du premier vendredi du BAI pour l'année 2020 et qui s'inscrivait dans le cadre de la commémoration des 10 ans du cataclysme de 2010. 10 ans après le séisme, ingérence américaine en Haïti et la reconstruction manquée, tel a été le thème de cette conférence débat animée par le sociologue Jean-Robert Joseph. Ce dernier a dans son exposé estimé que l'ingérence américaine dans les affaires du pays s'est renforcée au cours des 10 dernières années. Et cela a contribué à rendre l'État d'Haïti encore plus faible. La situation actuelle en Haïti est selon lui l'échec global de l'État haïtien et de la communauté internationale. Un extrait de son intervention au micro de Daphné Gédéon. 10 ans, séisme 12 janvier, qui ça qui finalement fait pour nous garder là en même temps en commun accord avec question ingérence des États-Unis gagnés sous pays depuis 1915, mais qui aggravé certainement à partir de derniers 10 ans. 10 ans plus tard, qui ça l'État finalement fait, mais qui rôle tout ingérence là gagné dans rendre l'État incapable pour lui finir par répondre avec et
question population. En clair, nous finissons par voir que l'État va arriver à réaliser, hein, parce que l'État a été mis tête liée ensemble avec Bill Clinton, qui est président des États-Unis d'Amérique, qui a été mangé l'argent sur les solidarités internationales qui étaient faites avec les peuples haïtiens avant 12 janvier 2010. Ça qui baille comme conséquence, eh ben, 10 ans après 12 janvier 2010, donc c'est avec l'âme aux yeux, nous sommes capables de constater que la population, bon partie de la population qui était sans abri ou qui toujours était sans abri, ça le baille comme conséquence encore, c'est des nouveaux bidonvilles qui créent dans la société à tout de suite après 12 janvier. Exemple Canaran, son modèle phare pour nous regarder. Donc nous croyons que donc, l'État qui généralement prôné comme l'État mauvais gestionnaire, mais qui créait, si vous voulez, une sorte, qui constituait une sorte de l'État, la cour des États-Unis d'Amérique. Donc nous croyons que nous ne sommes pas capables de garder l'irresponsabilité de l'État sans ne pas garder ensemble avec tout ambassade, spécialement l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui empêchait que, eh bien, je dis, un peuple haïtien, hein, en dépit du fait en pile mobilisation t'es fait sur le plan international pour t'aider après la catastrophe du janvier. Mais je dis, y aurait été, c'est comme si c'était hier, du 12 janvier 2010. Son échec global, son échec de l'État haïtien qui n'a jamais rivé construire tête li comme l'État à part entière depuis après l'embauche de Jean-Jacques Dessalines, mais c'est échec tout qui généralement toujours passe tête comme des bons gestionnaires. Le docteur Garnel Michel sera en signature ce dimanche à l'occasion du 10e anniversaire du tremblement de terre avec son ouvrage intitulé Bakalaka, l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants. Cette vente en signature se déroulera dans les locaux de l'institution mixte Saint-Louis de Gonzague de 1h à 4h PM, informe le docteur Michel, précisant que plusieurs autres activités sont prévues, sa déclaration. Livre ça, je dirais les Baklakaï comme titre, comme sous-titre, c'est l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants. Donc nous avons constaté en groupe de jeunes, nous avons réuni, nous avons vu que en général, chaque difficulté qui gagne dans le pays, nous-mêmes haïtiens, nous toujours, nous pas résister et puis nous quitter le pays. Donc il y a pile haïtien qui est obligé de quitter le pays. Donc nous avons dit que pour qui ça, nous pas faire un appel à toutes ressources pays, que ce soit nous-mêmes qui dans le pays ou bien nous-mêmes qui à l'étranger, qui a évolué dans la diaspora, pour que nous venions faire synergie ça, mettre compétences ensemble, mettre toute expertise ensemble, pour que nous reconstruisions le pays. Non? Parce qu'en fait, 12 janvier 2020, dimanche prochain, a fait que nous avons 10 ans de tremblement de terre là, nous avons perdu 300 000 monde, nous avons perdu plus de 8 milliards de dollars américains, mais nous avons perdu 10 ans en tout, puisque nous n'arrivons pas à reconstruire rien. Nous disons qu'à partir de 12 janvier 2020, pour une nouvelle décennie, ça, nous avons entré dans une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça, Baklakala, c'est ça lié. Baklakala, c'est d'abord une plateforme pour que nous exposions tout ça qui est bon, toute opportunité, toute richesse que le pays a gagné, Baklakala. Mais Baklakala, tout, c'est un retour de tout haïtien, de nous-mêmes qui en transit, qui a une prochaine opportunité pour que nous quittions le pays. Baklakala, c'est ça. Baklakala, c'est diaspora qui pour retourner vite construire le pays. Baklakala, c'est nous-mêmes qui pour quitter la capitale pour nous construire la caille, nous, origine, nous côté de sortir. Baklakala, tout, c'est un retour vers des valeurs que haïtiens était toujours gagné, des bonnes habitudes que nous gagnons, que nous vînons perdre. Là, il est temps pour capitaliser sur le 12 janvier pour que, à partir de là, nous reconstruisions le pays. Nous croyons en la consommation locale, c'est pour ça que nous proposons, à partir du 1er mai, qu'a venu, tout le monde, autorité civile, tout le monde, chaque vendredi, n'a consommé local. Consommer local, veut dire, n'a pas mettre habillement local, n'a pas chanter, n'a pas parler local, n'a pas passer musique locale dans la radio. Là, nous avons quatre précisions sur 20 signatures, ça. C'est tout en demi-journée de festival. Festivité, n'a vienne célébrer la vie, n'a vienne commémorer 10e anniversaire ça. À partir de midi, exposition a commencé, 21h a commencé à 1h dans l'institution Saint-Louis de Gonzague, Delma 31, de là que l'activité a commencé à partir de 1h et puis le 4h, n'a bien cérémonie mémorial dans circonstances là par rapport à 10 ans qui passaient là. N'a bien 35 secondes de silence dans même contexte de janvier et nous vraiment nous ça fait plaisir que toute population, tout le monde qui est capable activité ça, nous avons pile monde qui confirme mes participations, que ce soit des autorités dans l'État, des membres dans l'opposition. Donc vraiment, c'est un symbole pour montrer que c'est nous pas mettre tête ensemble pour que nous construisions le pays.